Bonjour tout le monde, vous êtes avec Cindy Laverdière. Aujourd'hui, je m'inspire des tendances cheveux vues sur les passerelles chez Rodart de la saison d'automne. C'est une coiffure qui est vraiment romantico, bohème et décontractée. Bref, c'est une coiffure qui est vraiment le fun quand on a envie de faire changement, mais qu'on veut surtout pas se compliquer la vie le matin. Donc, c'est une coiffure tressée avec une petite rosette au milieu. Vous allez voir, c'est vraiment chouette, vraiment féminin. Vous allez adorer ça. Avant de commencer à coiffer mes cheveux, je vais commencer par les nourrir et ajouter de la brillance aussi, puis je vais me servir du traitement nourrissant Pure Care Dry Oil de Dove. Pour ça, je vous en ai déjà parlé. Vous savez déjà que je suis méga fan de ce produit-là parce qu'il sent super bon. Mais en plus, il va vraiment ajouter de la brillance. C'est parfait pour ce type de coiffure-là. Pour faire cette coiffure-là, je vais me servir d'un serre-tête pour commencer parce que dans le défilé de Rodart, c'est ce qu'ils avaient mis, un petit serre-tête doré. Mais ici, moi, j'ai pas de serre-tête doré, fait que je vais me servir de ce petit serre-tête-là fleuri qui fait bohème, qui va être parfait pour la coiffure. Donc, je vais simplement l'insérer comme ça en laissant des cheveux à l'avant. Ensuite, je vais prendre la section du devant puis je vais tresser de chaque côté. Je vais commencer par cette section-là ici. Arrêter au milieu de la mèche parce que ce petit bout-là, c'est ça qui va servir à faire ma rosette tout à l'heure. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà. Là, ce que je vais faire avec ces deux tresses-là, je vais de chaque côté les élargir un petit peu pour donner un petit peu plus de volume. Ça va donner un petit peu plus de texture aussi, ça va être plus joli. Tirer comme ça. Et maintenant, je vais réunir mes deux tresses au milieu, à l'arrière de ma tête. Et je vais attacher avec un élastique transparent. Maintenant que mes deux tresses sont réunies au milieu ici, je vais pouvoir former ma rosette avec ma petite mèche ici. Donc ce que je vais faire, je vais l'enrouler autour de mes doigts, comme ça. Puis je vais venir la fixer en cercle comme ça, c'est ça qui va faire ma petite rosette. Là, évidemment, il y en a d'entre vous qui ont probablement plus de cheveux que moi, donc moi ça va être une micro-rosette. Mais si vous êtes chanceuse, vous êtes peut-être capable d'en faire une plus grosse que moi. Bref, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ensuite, pour faire ma troisième tresse, je vais venir chercher juste une mèche en dessous de la rosette pour faire ma troisième tresse. Mais comme pour les autres, je vais venir l'élargir un petit peu pour que ce soit plus joli. Et voilà ma petite coiffure tressée avec la rosette. Ensuite, si on veut que ça tienne super bien, on peut servir du fixatif Style Plus Care de Dove à tenue ferme. Et ça, je vais m'en servir seulement sur ma rosette parce que c'est ça qui a tendance vraiment à bouger. Sinon, le reste, ben, on peut garder le look bohème tel quel. Donc, je vais en vaporiser juste un petit peu sur la rosette. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette coiffure romantico-bohème décontractée, inspirée des passerelles de Rodart. C'est une coiffure qui est vraiment géniale quand on a envie de faire changement et qu'on n'a pas envie de se compliquer la vie. Bref, c'est vraiment une coiffure que j'adore, tout simplement. Si vous aussi vous l'avez aimé, laissez-moi vos commentaires juste ici en bas, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous avez des questions également, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous à la chaîne comme d'habitude et sinon, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!